Salut à tous, c'est Mitterrand, on se retrouve pour l'épisode 21 de Zelda Twilight Princess. En compagnie des McFlash. Salut à tous. À la recherche de quelque chose qui pourrait nous sortir de cette forme, pour ce niveau-là, il n'y a qu'un objet assez puissant. Et cet objet, apparemment, serait au château d'Hyrule, grâce à Zelda. Pourquoi ? Zelda aurait accès à les murs ? Vous pensez ? Je ne sais pas. En tout cas, la chatte de Thelma nous parle. Hein ? Le chat de Thelma. Louise. Ah, j'ai peur. Ça se passe à Zelda. Et du coup, j'ai oublié de lire un dialogue, je bourrine. J'ai envie d'avoir ce qu'il mûre. Du coup, Thelma, je suis venu aussi parce que moi, je ne pourrais pas tout simplement monter au château, il faut qu'on passe par là, et Thelma m'avait dit qu'il y avait un chemin vers le château d'Hyrule. Du coup, on y va. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir été au aujourd'hui, mais on va en tout cas bien avancer. Alors, on évite juste de faire tomber quelque chose parce que bon là c'est un peu de la filtration. Voyez-vous. Alors on va éviter de casser quelque chose en passant. Si on se fait repérer, on va se faire jarter dehors, donc c'est pas la peine. Le plus long on va être de toute façon de remonter après. Je sais où il est bien évidemment. Mais après, je ne vous le dirai pas. Peut-être qu'il n'est pas dans le chat vidéo, lui. Qui sait. Et là on arrive chez une personne bien bizarre, avec d'ailleurs ce qu'il y a de plus puissant en matière de potions si on tue en fait 20 spectres. Il a de plus puissant ce qui est plus puissant en potions, c'est très rare, il y en a que deux dans le jeu, donc on les fera, c'est d'ailleurs aussi pour la quête de bouteille. Donc on fera les quêtes des spectres. La première arme de spectre, c'est cool. On va lui parler du coup. Alors comment il s'appelle je... Je sais pas si dialogue, hein, à la foutre, il est juste pour les steaks. Pour les... n'importe quoi pour les steaks. Les spectres... Je crois que c'est Giovanni son nom, je sais plus. Et on arrive un peu dans les égouts. Voilà. Et des rats, c'est magnifique. Par là. La musique d'ailleurs assez triste, hein, parce qu'une demain est complètement blessée, puis nous on est empoisonné potentiellement. Le truc dans la tête là. Donc bah, c'est pas cool parce qu'il nous a fait des emplois de beaucoup de puissance, c'est prouvé. Il est beaucoup trop puissant pour nous pour le moment. Pour le moment, hein, je ne sais pas, c'est peut-être le boss final, c'est peut-être pas le boss final, c'est peut-être un boss mort avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un personnage important. On va déjà allumer tout ici, comme ça, moi, ça me fera un peu de lumière. Magnifique. Je les défoncerai après les sculptures. Si jamais vous me demandez, je les tue pas, je les défoncerai après. Hop, ici. Le dernier là-haut. Mais non mais lâchez-moi une chose fait. Parce que du coup j'ai plus utiliser notre cercle d'ombre. Pourquoi ? Bah parce qu'une demain est complètement KO. Ah bon ? Par exemple, il l'a blessé, évidemment, le KO. Il est méchant. Bah il est trop puissant tout. C'est à se demander comment il a eu ses pouvoirs. Parce que là, il a défoncé le héros et Midena. C'est pas n'importe quoi. Il est extrêmement puissant. C'est un fourbe. Ah bah là. C'est même pas faux, c'est un peu cerveau à défoncer tout le monde là. Du coup, vous connaissez un peu, je pense, là on va remonter puis on sera directement sur les toits. Alors sur Midona, je vous cache pas que c'est un peu plus compliqué de grimper. Je ne vous cache pas. Là du coup on est dans le château d'Hyrule, putain, il faut que je les défonce, rien à faire. Faut que je les défonce. Mais arrêtez, laissez-moi tranquille, bordel. J'ai une fée, mais on va être crevé quand même.
Ça serait une idée plutôt intéressante, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intéressant. Oh, on va éviter de tomber par contre. Quand la situation est désespérée, il n'y a qu'un objet qui puisse nous sauver. Mais bon, on ne sait toujours pas où il est hein, pour le moment. On va aller voir cette date et on verra après. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir aujourd'hui, honnêtement. Sinon on l'aura la prochaine fois parce qu'en plus il y a une ligne assez chiante donc ça se donne. Putain, oh putain. Ok, magnifique, je suis cassé la gomme. Okay, magnifique, on va remonter. Je sais qu'il y a une énigme un peu chiante, alors on va essayer de s'en souvenir, mais je ne sais plus l'ordre. Voilà. Je ne sais plus l'ordre. Mais déjà, ce serait bien de retourner en nous si vous voulez bien, parce que c'est pas que j'aime pas le loup, mais bon. Je préfère quand même une bonne épée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après le loup est très intéressant encore une fois. Oh mais c'est pas possible. Putain, je suis encore tombé. Excusez, je suis encore tombé. Bon, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Je vais juste essayer d'avoir quelques cœurs. Ah ça commence bien. Ils veulent pas que j'aie une épée en fait, c'est ça. C'est ça le jeu de fou. Allez, allez, on monte toujours là, Cédric. Ouais, oui, oui. Okay. Donc là, on est quand même dans une phase assez noire du jeu. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il suit Majora's Mask. Hein, c'est une phase assez noire. Avec Midona qui est blessé, ça même fait Papinou qui a été complètement écrasé au combat contre Xanto. Il a défoncé. Papinou, c'est qui lui? De quoi? T'as dit quoi, Papinou? Midona Pinou. Ah, c'est qui, c'est Pinou? Non, c'est moi. Ouais. De quoi? Ok. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Je vais me défoncer lui, non, c'est bon. Midona et puis... Je t'entends moins fort, d'un coup. Ah bon? C'est bizarre. Je parlais moins fort, ah, peut-être. Non, c'est bon. Donc, on passe la cinématique avec Zelda, on n'aura pas le temps, je pense. Ouais, on aura Excalibur la prochaine fois. Parce qu'avec la cinématique avec Zelda, on aura absolument pas le temps. Zelda. Ouais, avec les cinématiques et puis après on s'arrêtera là. Je ne sais pas si on va voir Excalibur, on ne sait pas, on va les voir. Visiblement elle n'est pas là, Zelda. Elle n'est pas à sa fenêtre en tout cas. Ouais, si elle est là. S'il te plaît, sa malédiction, dis-nous comment la lever. Il est le seul à pouvoir sauver le monde. Alors, princesse, s'il te plaît, aide Link. Est-ce qu'elle aurait Excalibur? Link a toujours sa triforce, elle. Triforce de la sagesse. La magie qui l'emprisonne sous cette forme est différente de la magie des ombres. C'est une puissance malfaisante. Dans notre monde, de la même manière qu'il y a lumière pour dissiper les ténèbres, il existe une magie pour dissiper le mal.
Caché au fin fond des terres sur lesquelles Véphiron se trouve un sanctuaire dans une forêt, c'est là que vous devez aller. Dans cet endroit secret repose Excalibur, l'épée profonde du mal, forgée par les sages des temps anciens. Excalibur est une épée sacrée que nulle créature du mal ne peut toucher. Aucune forme que prend le mal ne peut résister à cette épée. Elle saura déchirer le charme qui veut recouvrir et lever l'enchantement. Link, héros choisi par les déesses. Tout comme toi et moi résident les pouvoirs conférés par les déesses. Triforce, c'est bien Link. Maintenant tu sais où aller, tu n'as plus besoin de moi. Princesse, j'ai une dernière requête. Dis-lui, je vais vous lire moi le miroir des ombres, s'il te plaît. Iluna, je pense avoir compris qui tu es vraiment. Malgré ces blessures qui t'agapent, tu te bats pour nous. Nous sommes la cause de trop de tes souffrances. On le saura plus tard qui elle est vraiment. Iluna accepte ce don, prends. Link, non, reste là. Ok, c'est début, on n'est pas ici. C'est... oui. Les Amnas s'est sacrifié pour Midona. Fait très mal, putain. Link, nous repartons pour la forêt de Chiron. Zelda, j'écoute tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu étais. Voilà, Zelda s'est sacrifié. Et on va, s'arrêter là, je pense. Elle meurt ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Ok. Du coup, vu que... Ah, il est énervé. Là, le château. Ouais, il fait très mal. Il est magnifique. Ils vont nous payer ça. C'est parti, on y va. On va s'arrêter là. Du coup, bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé en tout cas. Et puis bah, à la prochaine, tout simplement.